Waouh. Salut les geeks, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la série Bodyguard. Tout d'abord, je vais vous la présenter en quelques mots. C'est une série britannique du genre thriller sur fond de menaces d'attentats à Londres et de manipulations politiques. Elle a été diffusée sur BBC et a eu un énorme succès au Royaume-Uni avec plus de 11 millions de téléspectateurs lors de la diffusion du dernier épisode. Il y a d'ailleurs 6 épisodes de presque 1 heure chacun, sauf le dernier qui dure 1h15 et elle est actuellement disponible sur Netflix. Pour ce qui est du casting, on retrouve Richard Madden qui incarnait Robb Stark dans Game of Thrones, dans le rôle cette fois-ci de David Budd, vétéran de la guerre d'Afghanistan qui est devenu policier au service de protection rapprochée des personnalités de la police britannique. On retrouve également Killy House qu'on peut voir notamment dans la série Line of Duty, dont la 5ème saison devrait arriver courant 2019. Elle joue ici la ministre de l'Intérieur britannique, Julia Montagu. À l'issue d'un acte de courage, David Budd sera donc affecté comme garde du corps de la ministre. Mais celle-ci a le genre d'idéaux que David méprise. Alors concrètement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, comme vous l'aurez peut-être deviné les geeks, j'ai adoré. Dès le tout début du premier épisode, on nous annonce le ton avec une tension très forte qui nous tient en haleine un bon moment. Et on retrouve cette tension tout au long des épisodes de la série. Alors bien sûr, il y a des moments plus calmes, mais qui en général permettent d'approfondir la psychologie des personnages. Et même parfois de laisser place à des scènes plutôt émouvantes. Bref, c'est très bien rythmé et le jeu d'acteur est excellent. On y croit. Certes, il s'agit plutôt pour l'instant d'une mini-série, mais la saison 1 est pourtant bien consistante. Pour ce qui est de la trame principale, je dirais que ce n'est pas le gros point fort de Bodyguard, avec des sujets et types de personnages déjà exploités dans de nombreuses fictions. Enfin après, tel est mon avis, car ça n'empêche absolument pas le scénario d'être très intéressant. Par ailleurs, je trouve que les dialogues sont écrits avec justesse. Bref, vous l'aurez compris les geeks, je vous recommande très fortement le visionnage de cette série, qui je l'espère, aura une saison 2. Au vu du succès de celle-ci, qui est bien mérité, je pense que ça sera le cas. Si vous l'avez vu, qu'en avez-vous pensé? Sinon, avez-vous envie de la voir? Dites-le moi en commentaire. C'était Dimitri, à la prochaine.